La dernière concurrente au départ, le numéro 14, Tétis, sous la salle de Sophie Friedrich. C'est marqué en dessous. Non, en dessous de l'autre. Ah, d'accord. Ah, ben oui, elle est là, ça y est, je l'avais marqué déjà. La 9 de Camille est de 70 points et demi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle montre quelque chose. Qui n'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ah, une barre sur le troisième. Pardon, il faudrait vous, oui, si vous faire rétablir la barre sur l'obstacle numéro 2. C'est bon, il y a quelqu'un qui est parti, regarde. Il y est allé. Il n'y a personne sur la piste. Bon, elle regardait tous les obstacles pour voir s'il n'y avait pas d'autres. Il n'y a pas les poneys 2. Hein? Il n'y a pas les poneys 2. Il y en a combien dans les poneys 2? Deux, je crois. C'est à quelle heure les poneys 2, Philippe? Ça veut dire que quand elle aborde l'obstacle, elle n'est pas en position, ce qui est quand même de vrai. C'est-à-dire, elle doit être sur certaines jambes, elle départ. On a deux courbes. Ou elle est trop près, ou elle est trop loin. En début de parcours, sur les entre le 1 et le 2, le 3 et le 4. Tout d'abord sur le dernier obstacle. Elles vont faire le caca. Mais bon, une cadence irrégulière.